Mais salut tout le monde, ici Chanceux aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo parce que on est rendu à ma 13e vidéo sur ma chaîne. Puis 13, c'est un chiffre très important pour moi. Puis ça a une signification. Alors cette petite vidéo, on peut rajouter un podcast. On va juste un petit podcast pour vous montrer qu'est-ce que c'est 13 pour moi. Je vous montre une petite mise en scène pour que vous compreniez l'histoire du 13 puis pourquoi. Moi puis mes amis, on niaise avec le 13, ok? Alors, regarde. C'est ça, j'étais en secondaire 5, en 11e année pour les Français d'Europe. Puis j'étais dans ma classe de mathématiques. Puis là, le prof, moi j'étais à mon bureau, on était tout tranquille, la classe était silencieuse. Puis le prof, il écrivait des notes, là. Puis là, comme la classe n'était pas interactive, il nous a demandé une question. 36! Moins 18! Puis moi, comme un grand talent, puis il me fait celle qui veut. qui veut répondre en premier, j'ai pas fait le calcul dans ma tête, j'ai fait ça. J'ai fait le calcul. Mais je l'ai fait tellement rapide que ça a donné ça. 13! Oui, c'est bien ça, c'est bien 18. Qui a dit 13? Alors, c'est ça, c'est juste le rôle de la façon que j'ai dit le 13, puis comme le prof y a eu de moi aussi. Alors, c'est ça. Puis, pour ça, nous, on n'appelle pas ça 13, mais on appelle ça 13. C'est 13. Puis aussi, 13, ça a donné bien. Le 13, c'est ma fête, le 13 mai. Merci tout le monde d'avoir regardé cette petite vidéo 13. J'espère que vous avez apprécié. Moi, oui. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et je vous dis, ciao, 13.